on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo très longue. Je vais simplement emballer les cadeaux que j'ai achetés pour ma famille. Je vais emballer tout ça avec le magnifique papier cadeau que vous avez vu en début de vidéo. Ouais. Et donc, c'est parti. Si cette vidéo vous plaît, très simple, que je fais ça. Je viens à peine d'arriver des cours, hein, il est samedi. Je fais ça vite fait. Bah, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Activez la cloche. Et c'est tout. Allez, c'est parti. On va commencer. Déjà, on va dégager tout ça. Du coup, je sais pas si vous voyez. Mais du coup, j'ai ça là, je vais les emballer. Mais je sais pas comment faire. On va tester. Déjà, on va ouvrir ça. Oh, un ciseau. On va d'abord ouvrir ça. J'ai vu des tutos comment ouvrir correctement un papier cadeau. Je ne sais pas utiliser. Je ne sais pas faire ce tuto. Je vais emballer les deux ensemble. Comme ça. Mais du coup, je vais faire un trait ici. Et on va refaire un deuxième. Oh, j'ai pas acheté d'étiquette pour dire ça, c'est le cadeau de machin. Ouais. Oh, attends, j'ai vu. C'est à peu près une technique comme ça. Et l'autre côté aussi. Je sais pas d'où elle sort cette technique. Je sais même pas si ça va marcher. Mais ça a pas l'air si dégueu que ça. Comme ça. Et un petit bout de scotch. Attendez. Ah! Ça fait mal. Je réussis. Je fais des formes, t'as peur. C'est quoi ces formes là? Oh. Je suis pas certain de ce que je fais là. C'est pas si mal, non? Et en tout cas, j'espère qu'il va kiffer. De toute façon, c'est pas l'emballage qui compte. C'est comme avec les gens. C'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure. Donc c'est pas l'emballage qui compte, mais ce qu'il y a à l'intérieur. En plus, je pourrais mettre un mot là-dedans. Et j'ai trouvé une bonne technique pour un... Je suis trop fière de moi là. Même si j'ai pas fini, je suis fière. Faut toujours être fière avant de faire quelque chose. Faut toujours avoir confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, et ben les autres peuvent pas avoir confiance en toi. Oh, c'est nickel. C'est la première fois que j'emballe un cadeau si bien. Premier papier cadeau emballé. Et je suis trop contente. En plus, vous voyez, vous pouvez glisser un petit mot dedans. Pardon, une feuille comme ça. Une feuille comme ça. Vous pouvez glisser dedans. Et comme ça, tu vois, il y a un petit mot en mode pour mon très cher petit frère que j'aime tant. C'est pour toi. je crois que je vais faire ça. Ce que j'aime trop emballer les cadeaux. On va encore mettre. Faut pas mettre trop de scotch. Tue le scotch, vous voyez. Donc faut pas mettre trop de scotch. Mais là, je vais juste en mettre un. Pour que le scotch, pour que la feuille que je mettrai dedans ne tombe pas, vous voyez. Premier cadeau fini. Prochain cadeau. Yeah, il est là. Non, c'est moche. Comme ça. Le cadeau que je veux vraiment, vraiment, c'est la trottinette électrique. Donc, je sais pas s'il l'achète vraiment. J'espère. Je sais pas comment ils vont faire pour l'emballer. La trottinette électrique, elle sera dans un carton. Ouais. J'ai regardé sur ma deuxième caméra, là où vous devez voir les trucs qui sont sur la table, tu vois. Celle qui filme la table. Et elle s'est éteinte d'un coup.
Mais du coup, vous avez pas les premiers, le dernier, genre le cadeau de ma mère. Vous avez, il a pas filmé en fait. À quelle heure je l'ai autorisé à s'éteindre. En tout cas, il s'est éteint. En tout cas, il y a les deux premiers cadeaux, donc ça c'est bien. Vous voyez, attends, je vais te dire. Vous voyez là, il y a un côté. Là, il y a un côté qui dépasse. Voir là. Vous voyez la partie blanche. C'est la partie qui dépasse. Et moi, je veux parler. Je vais la couper. Deuxième cadeau fait. Expliquez-moi comment je suis censée emballer ça. Non mais sérieusement, expliquez-moi comment je suis comment je suis censée emballer ce cadeau. Hi, c'est trop gros. Ein Fachkochlicher Kaffee. Oh, c'est une machine à café allemande en plus. J'ai fait tomber mon miroir sur le cadeau et du coup, ça s'est pété. Ça a pété. Hi. J'ai déjà plus de papier cadeau. C'est déjà fini. Même dire. Tu m'étonnes, c'est que 49 centimes ça. Ah oui. Ceux qui ont vu ma story sur Insta, j'ai acheté mon petit déj. Que j'ai toujours pas mangé. Comment je fais? Comment je fais frère? Tu vois pas que ces trucs non? Non. J'essaie de faire un accent mais j'arrive pas. Ça se sent, ça se voit. Salix, même si c'est trop petit, tu vas trouver la solution et tu vas l'emballer correctement. C'est le dernier cadeau. Et ensuite, je pourrais aller regarder je sais pas quoi. Faut pas que je me décourage. Faut pas. Un peu de soutien dans les commentaires. Laissez un like, s'il vous plaît. Si je réussis à emballer ce cadeau, il faut dire à tout le monde d'aller s'abonner. Parce que quand même, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire. Mais non, il n'y a pas assez de papier cadeau, c'est sûr que tu vas rater. Ben non, en fait. Faut vous dire, faut toujours vendre l'espoir. Je dis, faut toujours vendre l'espoir. Commence pas à le faire chier, toi. Non, 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 non. Ne fais pas n'importe quoi. Ouais, c'est dans tes gènes de savoir danser, etc. Ni 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 ni. C'est pas parce que c'est dans tes gènes que tu sais danser. Hein. Par exemple, un bébé. Les parents du bébé, ils savent parler. Mais un bébé, quand il vient au monde, il sait pas parler. Il apprend à parler petit à petit. Bah, c'est pareil pour la danse. Même si mes parents savent danser. Moi, personne m'a appris. Personne m'a appris à danser. Alors ça va pas venir d'un coup en un clin d'œil. Clic, clic, clic. Non, je sais pas danser, frère. Personne m'a appris à danser. Alors que dans les surtout les fêtes d'anniversaire et tout. Ouais, vas-y, Sandy, viens. Tu vois, moi, je suis assis en train de manger. Je vais à un anniversaire, un mariage et tout. Moi, c'est pour la bouffe, tu vois. Tu m'invites, je mange. Non. Allez, Sandy, viens. On va danser. On va quoi? On va quoi? J'ai pas entendu. Danser? Je sais pas faire, moi. Moi, je sais pas faire, hein. La danse du robot, même ça, je sais pas faire. Quelle danser. Oh, les gens qui me forcent à danser. Vous êtes gentils à vouloir m'inciter à bouger mon rein. Mais à part si vous voulez m'envoyer à l'hôpital, parce que Sandy s'est bloqué un coup de rein. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Attends, je vais mettre comme ça, vous voyez. Regardez-moi ça. Vous voyez? Je vous avais dit que ça allait être bon. Vous voyez, ici c'est tout nickel. Là aussi c'est tout nickel. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là c'est beau. Et là aussi. Voilà! J'avais dit, peut-être que j'ai pas assez de boue pour finir. Toi, même si c'est pas aussi beau et que tu vois qu'ici il y a eu un découpage de plein de petits bouts et qu'ils ont été rassemblés tous ici. Mais c'est fini. J'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Maman. Ma soeur. Mon frère. Et je suis grave contente. Les cadeaux sont enfin
fini. En vrai, je kiffe toujours autant ce papier cadeau que j'ai fait. C'est magnifique, surtout cette partie-là, vraiment. Tu peux donner. Tiens, ton cadeau, c'est ça. Mais j'aime trop cette partie. La vidéo terminée, les amis. Si ça vous a plu, une vidéo comme ça, à l'arrache. J'ai même pas réfléchi, même pas pris soin de réfléchir comment je vais faire. Non. Est-ce que j'ai fait une introduction, mais... Je sais même pas. Je sais même pas si j'ai fait une introduction. Allez, c'est bon. La vidéo, elle est faite comme ça. J'aime bien les vidéos comme ça, tu vois, naturelles. Tu vois la personne, le youtubeur que tu regardes, quand il fait des vidéos comme ça, tu vois son vrai état, tu vois. Pas des vidéos improvisées, cherchées, calculées, toutes les secondes, tous les mots, appris par cœur. Non, là, je fais à l'improvise comme ça. Allez, tenez les amis, une petite vidéo. Je sais même pas combien ça va durer. Je dis même pas 30 minutes. Je vais faire tout pour que ça dure entre 10 et 15 minutes. Abonnez-vous, activez la cloche. C'est tout en bas, là, c'est en bas de la vidéo. Vous activez, vous abonnez et vous laissez un commentaire. Parce que je kiffe écouter. Je kiffe regarder vos commentaires. Et ça me fait plaisir aussi que des gens commentent. Donc je sais que des gens me regardent. La prochaine fois, je sais pas, c'est peut-être un Signix Forum parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. J'ai le temps, mais j'ai pas l'idée, voilà. J'ai des idées, oh! Elle vient d'arriver. Bref, je vous dis à plus. Je vais aller chercher les idées que je viens de trouver là. Je vais les écrire. Bon, pas que je les oublie. On se dit salut. Je vais mettre ça en dessous du sapin. Je n'ai même pas présent. Mais je vais mettre ça là où il y aura le sapin. Et on se dit à la prochaine fois, les amis. Peace!